devrais insulter Cardel. Rebonjour. Ce sont rebonjour. Bonjour tout court pour ceux qui viennent de se lever. Il est 7h43 du matin. Donc, comme prévu, on finira vers les coups de 9h pour ce dernier game Gambit Gaming contre l'MVP Ozone. Enfin, l'MVP. Les Samsung Galaxy Ozone, pardon, excusez-moi. Ou Samsung Ozone Galaxy, si tu veux varier. Mais on va te voir. Ouais, Samsung et Galaxy côte à côte. Tu peux, je pense que tu peux faire des variantes comme ça. Ouais, donc gros match entre deux équipes qui ont quand même été assez impressionnantes pendant ces phases de groupe. Enfin, pendant les 5 premiers matchs de groupe B. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qui va l'emporter? C'est une excellente question. Gambit ont été assez rassurants. Ils ont été rassurants, sur un niveau de jeu. Mais les Ozone ont été impressionnants. Ouais, ils ont. Non, mais clairement, ils ont bien joué. Après, les Vulcoud ont fait quelques petites erreurs, mais. Très, on en a 12 heures de stream. Merci à tous d'ailleurs de nous avoir suivis dans cette première journée, soirée, matinée de LCS. Hein. Vous étiez 20 000 au début. Bon, vous êtes tenu jusqu'à 6 000, jusqu'à quand même bientôt 9h du mat. Maintenant, en fait. Jusqu'à maintenant. Donc, solide. On sera là demain à 4h du matin. Enfin, aujourd'hui à 4h du matin. Non, du coup, demain. Enfin, demain à 4h du matin, ouais. Bah oui. C'est ça. Je vais dormir jusqu'à 18h. Je vais me lever tranquillement. Je vais tellement dormir jusqu'à 22h. Ceux qui vont au cours, au boulot, sachez qu'une partie de la Suisse a congé aujourd'hui. Amour au chocolat. Trop sale, j'aime beaucoup. Ouais. Amour au chocolat. Ça, c'est vraiment pas sympa, mec. Il aurait pu rajouter fromage. Ouais. Donc là, vous voyez le head-to-head donc, entre les deux équipes. Alors, qui de Gambit et des Samsung Ozone va l'emporter? Les deux équipes ont un gros capital confiance quand même après leur première game. Elles se sont toutes les deux imposées. Alors, là, les Gambit, c'est le moment de sortir tout ce qu'ils ont parce que c'est peut-être le candidat le plus sérieux qu'ils auront à affronter dans ce match de poule, enfin dans cette phase de poule. Et on va voir, on verra quand même que notamment quand ils rencontreront Fnatic, qui seront même Vulcoun, non, Vulcoun finalement pas dégueu du tout. Vulcoun, au-dessus de ce à quoi je les attendais. Ouais, très agréablement surpris. Ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Il y a rien à dire. Pour l'instant, ils ont été deuxième après. MVP Samsung Galaxy Ozone. Samsung Ozone, si tu veux. Samsung Ozone. Ozone. Ozone, oui, Ozone. No man, Pierre, no là, tu... No man, no... Allez. Tu feras pas d'erreur si tu dis Ozone. Tu feras pas d'erreur si tu dis. Ozone. Sincèrement, je pense que le match va être vraiment intéressant. Les bannes éclairs, hein. Aatrox, Zed, on a vu ce que donnait Diamonds. Oh, Aatrox, on n'a pas aimé le Corki de Genja. Bon. Caitlyn, Lissine, Thresh. Allez, Darien, fais-toi plaisir. Donc ils n'ont pas ban la Vayne de Imp. Non. Ils décident de la laisser open. C'est toujours un peu le petit truc face à. Qu'est-ce qu'ils décident de pick, mais bon. Et Corki qui a été ban du côté des Samsung. Ça, c'est intéressant. Shyvana. Mais peut-être que du coup, si Diamond s'est remis à jouer Shyvana, peut-être que Dendy veut couper à Diamonds l'herbe sous le pied. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Shyvana, hein, pas mauvais, oublié, pourtant pas mauvais. Et on va prendre la Vayne. Un peu plus logique quand même. Ouais. Un peu plus logique, donc la Vayne de Imp, vraiment c'est le champion, il le joue dès qu'il peut. Hein. Dès qu'il peut. C'est assez ouf. Et Zyra donc de pick en tant que support, chaîne du côté des Gambit, on connaît Darien, redoutable quand il a chaîne en général, assez inarrêtable, c'est une machine, il finit à 4000 points de vie et personne ne peut le stopper en fait, un truc il die et... Le il est capable de tanker 30 000 coups de on tour, a Evelyn, 30 000. Evelyn qui open pour Diamonds, est-ce que son cœur va balancer sur une Evelyn? Je pense qu'il partira sur Jarvan si. Je sais pas, le Jarvan. Jarvan Chen. Je sais pas. Jarvan, il le joue quand même énormément. Donc, statistiquement parlant, on devrait peut-être voir Jarvan. Ah, on se sécurise Harry. Ouais, comme la game précédente jouée par les Gambit, hein, Alexis, qui était sur Harry vraiment. Et Sona également, le support que les Gambit kiffent à mort. Actuellement, très chez Ban, hein, donc voilà.
Ok. Donc compo classique. Compo assez classique, ouais, pour les Gambits. Rien de très spécial. Bon, allez. Et Jarvan de Pique. Ah, Jarvan de Pique chez les Samsung Ozone. Intéressant. Ouf. Ça veut dire donc qu'il ne sera pas dispo pour les Gambits. Jarvan Singh, donc la réplique Singh face au Jarvan. La fameuse, la spéciale coréenne à ce niveau-là. Ouais. Encore. Singh face au Shen. Ah, la Evelyne, voilà, voilà. La prendre Evelyne, intéressant, hein, intéressant. Bah, en général, Diamond, c'est Lee Sin, Jarvan, Aatrox, Evelyne, c'est ces quatre champions, ouais, sur lesquels tu peux vraiment beaucoup parier actuellement. Evelyne, si jamais tout le reste est pris au ban. Ouais, mais pas depuis un moment, donc même pas actuellement. Et Genja, qu'est-ce qu'il va nous pique, donc petit Miss Fortune Sona, ça serait cool. J'aime bien Miss Fortune Sona, c'est marrant. Avec une Evelyne, ça, c'est assez sympa en teamfight. Ouais, après, si tu as décidé de partir sur Aize. Après, ouais, un truc qui puisse échapper à la griffe de Him. Sentiep. Sentiep Genja. Kog'Maw donc de sortie. Alors, messieurs du canapé, que pensez-vous des compos pour l'instant, même s'il nous manque encore un pic chez les. Samsung Galaxy Ozone. Très agréablement surpris par le petit pic Kog'Maw qu'on n'a pas vu depuis. Ouais, marrant, hein. Très marrant le pic Kog'Maw. Ouais. Bah, ils ont de quoi le couvrir. Hein. Il y a une Sona, il y a un Shen, il y a Evelyne. Tipo, enfin. Oh la même. Ils ont vraiment, vraiment de quoi et couvrir. Ils ressortent le Ryze et le Singh et la Vayne, en fait. La même, c'est quasiment la même. Ils ont, on dirait qu'ils ont trouvé le cœur de leur composition. Il y a une petite composition favorite, les Samsung Ozone. Et ma foi, c'est vrai qu'elle est assez meurtrière. Que des champions dangereux de partout. Beaucoup de contrôle, beaucoup de tankiness. Des lanes assez solides dans la configuration de ces pics-là. Ça va quoi que tout à l'heure, on a vu Harry qui mettait la misère à Ryze. Hein. Mancloud qui avait complètement défoncé d'AD. La dureté. C'est bon, c'est passé. Un café? Non, pompe d'op jusqu'au bout là. De toute façon, la game, à mon avis, on n'aura pas le temps de s'emmerder. Ben, si les deux équipes jouent comme on a pu les voir jouer avant, c'est vrai que ça risque de donner du très beau spectacle, de faire des étincelles. Et du coup, pour finir le tour du canap, parce que je vous ai interrompu. Ouais, ouais. Ouais, il y a le même pic qu'avant, il y a eu Shen Harry et du coup ils prennent encore Singe des Ryze, encore une fois. Et puis hâte de voir ce que la Vayne va donner. Alors est-ce qu'on a une expert des Samsung Galaxy Ozone? On avait un expert des Mineski, on a un expert il des Gamma. Il peut peut-être parler au nom de son. Du fait qu'il soit expert d'une team asiatique, Léandra. Les Samsung sont carrément moins gros que les Mineski quand même. Donc, c'est pas faux. Toi et ta connaissance profonde de la metagame asiatique, quelle qu'elle soit. Hein. Honnêtement, enfin, je pense que Gambit, si Gambit met la pression comme ils l'ont fait dans leur premier match, mais à qui ça va pas comme ils peuvent snowball. Ils peuvent snowball. Gambit, ils ont une team qui peut snowball. Ils sont prenables, les Samsung. Kog'Maw, il est plutôt safe. Harry, ça snowball. Evelyn, ça snowball. Puis en plus, là, il a vraiment ressorti le hold. Tu es en train de perdre ma vie. Hein. Ça fait 12 heures de stream. C'est vrai que Diamond a de véritables capacités à complètement carry l'early game de sa team avec Evelyne. Après, voilà, quelle va être la réaction des Samsung aux autres. C'est beaucoup. Aucune pink ward donc de part et d'autre, enfin si, des pink wards en fait du côté Gambit, mais aucune plutôt du côté Samsung Ozone. Par contre, beaucoup de green ward pour la Zyra. Bon, ça permettra pas plus de révéler Diamond, ouais. Qui va pouvoir se balader quand même. C'est pour ça qu'ils vont peut-être ward de façon particulièrement agressive pour au moins l'avoir d'être en train de faire ses packs. Ouais, hein, c'est important, c'est clairement dans la jungle, c'est le truc qui te permet peut-être de positionner de prendre la position d'une Evelyne. C'est peut-être ce sur quoi ils partent, hein. Les Samsung Galaxy Ozone comme Paris, arriver à prendre le map control au bon endroit, mais je sais pas, enfin leur support, il a pas vraiment bougé. Ça a l'air de vouloir swap. Ou pas.
Pas du tout. Shen top. Singh, ça sent que lui qui est content de son match-up. Hein. Il est vraiment tranquille. En plus, Kogmo contre Singh, c'est vraiment pas si dégueulasse que ça. Parce que tu veux t'approcher, tu prends la coulée. Et après, il a quand même une range confortable, Genja. Donc bon. Et on a le bleu qui sera fait par Jarvan. Et dernière game de la soirée, de la journée. De la journée. Après, ce sera demain. C'est ça, exactement. Donc à 4h du mat, on se retrouvera et à peu près dans la même. Donc voilà, avec moins de matchs, quand même 5 matchs. Poule A ou poule B ? Je ne sais plus, tiens, il faudra voir à la fin peut-être avant le revoir. Général au stream, et pour l'instant voilà, c'est parti. Alors petit déficit de range forcément pour Imp face à un Kogmo sous barrage bioarcanique. Ça met des patates, Zaira. Ça fait mal, hein, clairement. C'est une bonne animation d'auto aussi, je la trouve assez rapide. Oui. Et le bon arras de la part de Mata. Mais Voidel n'est pas en reste. Hein. Voidel se bat un maximum pour imposer son rythme sur la game. Et pour l'instant, Genja peut farmer de façon assez safe. Bon, attention, Imp qui prend de bons dégâts. Regardez, un cog. Il a balancé à ça. Je rêve, on a eu un ignite de la part de Voidel. Claqué très très tôt dans la partie. On a ni flash ni barrière de la part de Imp. Hein. Il connaît son personnage. Il sait ce que ça peut encaisser en early game. Il se laissera pas avoir. On a le map control, enfin la vision du buisson qui a été prise avec une petite ward verte. Zerad, du coup, qui a un poil qui va essayer d'aller chercher un peu de reward. Ignite utilisé de la part de Darien sur Looper sur l'utilisation de la popo. Ok. Ouais, ça l'empêchera pas de régène. Je sais pas si c'était worth it. Je sais pas, peut-être pour avoir le passif de l'ignite. Ouais, aussi, et pour l'empêcher de régène, mais je sais pas. Ouais, bon. Pas forcément, ouais, pas d'impact forcément, je pense, sur ce move. Et Jarvan, justement, Dandy qui est là au top, ils vont vraiment tenter de choper Darien. Allez, c'est parti, on tente un combo. Et Darien qui s'essaye de façon instantanée via son taunt. C'est bien très réactif, Darien, il ne se laissera pas avoir. Assez en forme quand même. Hein. Qui met la pression à Dadé, c'est pas la première fois qu'on voit un rail se faire fumer par une Ari. Bah, Mindcloud avait bien fait le taf justement contre Dadé. Donc Dadé, comment va-t-il vivre le match-up face à la Harry de Alexis? Eh bien, on attend de voir justement parce qu'il avait été vraiment en difficulté contre Mindcloud. Donc voilà, est-ce que l'histoire va se répéter ou pas? Nous allons voir. Et donc pour l'instant, Darien boss qui évolue tranquillement sur sa lane noire, sans danger malgré les tentatives de gank. De Dandy, pas de rien, problème. Autant le Sim est ravi d'avoir un chaîne contre lui, autant Darien est ravi d'avoir un mec qui va le laisser farm aussi. Les deux, de toute façon, ils vont rentrer dans leur petit balai bientôt et ça ne servira plus à rien de les suivre parce qu'ils vont juste faire un concours de farm. Et bah. De tankiness, attention, Dandy au mid avec son Jarvan, il essaie. Hein. Il est passé par la top lane, maintenant il passe par la mid lane. Il veut tenter de faire la différence pour son équipe. Alors, route qui touche, Genja qui est du coup en difficulté. Il va réussir à s'en sortir grâce à la cover de Voidel. Dandy très patient. Très, très, très patient. Mais Alexis qui est positionné de façon très intelligente sur la lane. Il est très dur à gank là, honnêtement. Il est en plein milieu. Ça va être intéressant. C'est parti, Dadé qui prend quelques dégâts. Attention, la cache qui pique. Le tue qui est passé, il va tenter le bisou qui ne passe pas. Alexis qui n'a pas son niveau 6 pour s'escape. Il a encore son flash, il va devoir flash out. Est-ce qu'il va se faire suivre? Oui, il se fait suivre. Et le cul qui touche, faut faire attention. Dandy, l'arrivée de Dadé dans la mêlée. Attention, attention, Alexis est en position de prendre beaucoup first de kills. First blood, Alexis qui prend. Oh, pop, doublé pour les Gambit. Ouais, et le first blood va à Diamond Prox Noir. En plus, grosse opération Gambit Gaming. Et il a mis un peu de temps à suivre Rice, peut-être que c'est cette petite seconde et demie. Mais il avait peur, il a eu peur, il y a peut-être présent parce qu'il s'est pris l'aller-retour du Q et il lui restait plus grand chose. Alexis vient de passer 6, le TP de la part de Looper, Darien qui n'a rien pour empêcher. Oh ouais. Où est-ce qu'il TP juste au mid pour farm? Ah ouais, je veux du farm. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de faire un bac et l'utiliser pour revenir en pour... je sais pas compris. Bon, c'était pas... Ils sont désorientés. Pour le coup, c'est bon, un TP pour 4 creeps. Est-ce que ça vaut le cooldown? Il faudrait calculer le ratio, le rapport qualité-prix, quoi. Je pense que c'est une mauvaise communication. Ouais, je sais pas trop. Enfin, je vois pas. Combien de gold rapporté pour combien de secondes de cooldown? C'est quand même... Je sais pas, il a eu peur pour la tour, pour le Drake, ou je sais pas ouais, quoi. Ouais, c'est assez étrange ce qui s'est passé là. Attention, Alexis, il prend le kill sur Dadé. Dommage, on l'a loupé. J'ai l'impression que Diamond Prox est parti pour mettre un certain bordel. Il va passer un sale moment, Dadé.
Mais surtout, le pire pour lui, c'est que l'histoire se répète. Ah, le bisou qui va passer. Mais bon, tant pis. Excellent gank. Et bah forcément, Dadé qui joue un Ryze sans flash, c'est-à-dire exposition maximale face à une Evelynn qui arrive, et Dadé est complètement mais démuni face au gank de Diamond Prox. Et maintenant, on a Eudrey qui est fait le passage aggro entre Voidle et Diamond. Diamond, on veut pas qu'il soit trop low life. Il faut pas qu'il se fasse sniper, qu'il il soit va tenter il n'a pas le smite, il n'a pas le smite, on dit. Non, il ira pas, il n'y a pas smite. Allez, c'est free, c'est pris, et c'est free en quelque sorte. Du côté Gambit, premier dragon dans la game, il commence à snowball l'équipe Samsung Galaxy Ozone qui tente de répliquer via Looper là qui va style le blue buff adverse. Darien ne sait pas, Darien n'est pas au courant. Et Alexis chinois au mid qui commence vraiment à imposer son tir. Regarde, il a même pris une pink ward, donc il est là. Il va y avoir une bataille d'ailleurs à ce niveau-là entre les deux mid. Chacun une pink ward, donc qui va tout simplement se débarrasser de son adversaire. Le plus habile, le plus malin, Chips. Mais là, on a la botlane des Gambit qui commence à dominer. Win rate de Imp sur 86%. Ils savent où il a posé sa pink ward. Dadé, c'est intéressant, ça a été ping par les Gambit, ils le savent parfaitement. Et ça risque d'être puni, je pense, par Alexij. Et du coup, Dadé se retrouvera avec le même problème qu'il y a une minute sur sa lane, c'est-à-dire toujours pas de flash et complètement exposé au gank de Evelynn. Regardez, Alexij vient de poser sa pink ward. Excellente prise d'information, franchement, des Gambits là-dessus. Et ça leur permet complètement. Ben voilà, Dadé, maintenant, il va aller farm Sévresse. Il est en danger. Il est en danger. Et Darien qui s'en tire très très bien, qui se fait pas distancer par le Syngd. Oh, attention, Voidle. Mata exposé, qui du coup donne un kill à Voidle. Non, c'est pas très bien joué. Ils font des erreurs là, les Samsung Galaxy. Ils n'ont pas fait au match d'avant. Et les Gambit, bah, ils se font plaisir. Hein. Ils prennent les kills où est-ce que ça passe. J'ai pas trop compris ce flash-in agressif de Mata qui s'est intercepté par Genja. Ouais, Genja en plus qui est full life. Enfin vraiment, c'est pas comme s'il y avait quelque chose. Pourquoi il ne taperait pas dessus? Il voulait tuer Voidle. Mais, ouais. Mais tant de risques pour tuer un support par un support alors que le carry AD derrière peut récupérer le kill. C'est vrai que c'est pas très clean là ce que nous font les Samsung Galaxy Ozone, et tandis que les Gambit profitent de la moindre opportunité. Et Diamond de nouveau qui rôme la menace permanente, la pink ward, ils l'ont vu, Dandy qui est obligé de disengage, et de nouveau une pink ward posée, double pink ward de la part de Alexis. Il joue de la compo outrance, hein. Levin il aide énormément comme ça, il garde le main contrôle, et vraiment elle met la pression parce que quand tu sais pas où est Evelynn, eh ben, tu t'avances pas trop, tu fermes moins, tu prends des précautions qui ne sont pas toujours utiles, même souvent peu utiles. Et là, on voit d'ailleurs Ryze complètement dominé au niveau des last hits. Looper, lui, qui tient bien la distance face à Shen, encore heureux, bonne mère, j'ai envie de dire. Un peu cher. Un peu cher, mais là ouais, Dadé, c'est pas facile, quoi, tout simplement. Ils veulent tellement, mais là, s'il le go, on y va ou pas du côté des Gambit? On emmène le Ryze en voyage, en petite virée, le bisou qui faille toucher, l'ulti d'appareil Diamond Prox, l'ulti Shen, ils y vont les Gambit Gaming, oh ce dive hyper agressif, l'arrivée de Diamond en mêlée, Dadé qui se fait totalement dive. Diamond qui tente la tour, et là il y a Darien qui va pouvoir se barrer, mais Yassine qui va arriver sur le côté, je pense que Darien est condamné, ils l'ont abandonné à son triste sort. Pourquoi Darien ne passe pas par la lane en fait? J'ai pas compris. Il y avait tout le monde de tous les côtés. Bah non, trop pas, il y avait personne. Bon, il va tomber, c'est Im qui récupère le kill. Honnêtement, il passe pas à lane, il y a les creeps qui tank, il s'en fout quoi. Il y a Sync qui est intercepté. Non, même pas. Okay. Je sais pas, il avait l'opportunité. Bon, après, on va dire que ça met Dadé toujours plus au fond. Ce Ryze, décidément, qui a du mal à totalement fonctionner du côté de Dadé. Alors, la game précédente contre Vulkun, sa team avait très bien réagi. Mais là, les Gambit semblent vraiment très très chauds. 3 cagoles à 10 minutes de genoux, c'est quand même conséquent. Ben les Samsung Galaxy qui ont fait des erreurs et qui l'ont payé au prix comptant, et surtout ouais, ce gros shutdown sur prix coûtant. J'ai dit quoi? Content. Prix coûtant. Espèce sonnante, trébuchante et contente. Espèce sonnante, trébuchante, oui, c'est vrai. Et contente. Contente, pourquoi pas. Tu rajoutes une caractéristique, ça me va. Toujours plus de sécurité, hein, on ne sait jamais. Avec les pièces, il vaut mieux. Tout simplement. Et Alexis, 2-0-2, 88 creep. Il va vraiment envoyer la sauce, je pense, dans cette game. Et Harry, c'est un personnage qui snowball extrêmement bien. Pour peu que tu aies un peu d'avance et du one-shot sur quasiment n'importe qui. On a vu tout à l'heure X-Missy notamment qui s'était mangé un one-shot complet par la Harry
deux Faker, il me semble. Ouais, c'est deux Faker. Ça couplé avec une Evelyn qui est plutôt pas mal dans sa game, puisqu'il a 1-1-3. Elle a assez bien farm. Diamond qui a pas d'ulti. Hein. Diamond qui a pas d'ulti. Donc pour. Oh là là, la fight qui est prise. Là, c'est parti. Oh, ça va être compliqué. Zaira, Zaira qui tombe du désengage. La barrière du côté de Kogmo. Et cette fois-ci, il se retourne sur Mappa. Le TP de la part de Looper qui arrive dans la mêlée. Zach est mort qui va essayer de crever en plein milieu du tap. On a Diamond qui va jouer pour sauver sa peau. Et on a Harry. Harry qui s'est fait pour un sandwich. Qui s'est fait complètement décaler. Suivre par Ryze qui a peut-être se retrouver un V4. Et on va avoir deux morts du côté des Gambits. Mais ça va push au top. Mais voilà, allez. Les Samsung Galaxy qui ne s'avouent pas vaincus. Ouais, grosse présence là de la part du jungler et du top laner des Samsung Ozone. Honnêtement, ils ont fait le taf. Ça permet de prendre double kill et d'arrêter un peu cette dynamique très positive du côté des Gambit Gaming, à savoir la grosse pression qui était imposée par Genja et par Voidle avec la petite avance au farm, donc qui était la traduction. C'est dommage parce que ça aurait fait du bien à Darien d'avoir sa cape solaire dans ce push. Complètement, mais il a fait mal à la tour tout de même, hein, donc ne pas négliger, voilà, hop, on le voit qu'elle est autant d'auto que possible, et pour Looper, eh ben, il ne peut pas faire grand-chose non plus, hein, parce qu'il n'a pas, non, enfin, il a pas des dégâts colossaux non plus tout de suite, Looper, et Darien est déjà très tanky, hein, de la résist magie, de l'armor, des points de vie, la panoplie complète du tank. Ouais, il va être dur à descendre, en plus c'est un chêne. Donc il va peut-être faire tous les Gambits là, qui ont pris un bon départ, hein, sans exception. Ça, ils ont plus de farm sur toutes les lignes, bon, sauf au top, mais c'est normal. Mais pas de grand chose justement, c'est ça qui est, c'est on va dire la bonne nouvelle. Et le Drake qui a repop. Darien Shen ou Winrail qui est en train de rebondir. Bonjour. Ouais, solide, honnêtement, c'est un pick qui est hyper successful sur Darien. C'est pour ça qu'il est. Honnêtement, il est ban les trois quarts du temps contre les Gambits. C'est très rare qu'on laisse Shen open à Darien. Exactement, ouais, ça échange de ping, quoi. Qu'on n'avait pas vu, enfin longtemps, pas tant que ça. Échange de ping, quoi. Il y a eu la chance de choper la dernière auto d'AD parce que je pense qu'elle avait fini d'être révélée là, tout simplement. Et Genja qui continue à imposer son style, hein, qui a repris de l'avance là au niveau du farm. Et Imp qui galère un peu, mais qui a 1-0-2 noix. Donc il a réussi à prendre des kills. Et là, on a le back de Harry qui devrait revenir, je pense, avec son DFG. Ping Quad. Non, pas DFG. Pas DFG, il n'a pas encore les gold. Et Looper qui dépouche. Qui dépouche, il ne proxy pas trop encore Looper. Il est encore un peu frileux. Mais ça va pas tarder. Et la dernière game. Pour l'instant posé, Chips. Bon, pas tant que ça. J'ai eu 9 kills. 9 kills en 14 minutes de jeu, ça va. Et on attend la réaction quand même au Drake, hein, de, bah, des deux équipes parce qu'il est open depuis un moment. Et je sais pas, personne n'essaie d'aller le prendre. Le Comtesse, Diamond qui sait. Il avance quand même à pas de loup, il n'a pas envie de prendre de risques. Et je sais pas trop pourquoi les deux équipes ne font rien au niveau de ce Drake. 15 minutes de jeu quand même. C'est un timing pour les teams coréennes pour tenter des fights. On a l'arrivée de Alexis, c'est ping du côté des Samsung Ozone. Diamond qui va chercher Mata. Est-ce qu'il peut prendre le kill? Mata prend de gros dégâts quand même. Il est forcé de flash out. On a une ulti-chaîne sur Diamond. Excellente interception d'Alexis. Superbe, superbe. Ça va prendre le Drake, mais ça abandonne complètement la tour à Looper. Ils vont peut-être pouvoir enchaîner sur la tour bot après, hein. Il faut voir là les Samsung Ozone qui vont tenter de mettre la pression au mid justement. Regardez, hein, les Samsung Ozone qui se déploient sur toutes les lanes instantanément, qui tentent de punir ce Drake fait de la part des Gambits back du côté de Shen et de Darien, donc Dandy qui met la pression mid. Signe, il va avoir le temps de faire des dégâts, hein. Looper il va attendre, non même pas, il ne s'attaque pas du tout à la tour. Il a eu un petit coup de frayeur donc il se barre. Mais les Samsung Galaxy ne sont pas très loin, hein, vraiment. Bon, ils sont dominés, certes, mais ils ne sont pas très loin en termes de gold. Et Im, donc, il se permet de farm maintenant. Il a eu un peu de free time, j'ai envie de dire. C'était free lunch pour Imp le temps que Genja passe tout simplement au niveau du Drake. Hein. Et maintenant, back to the business, on va dire. Kogmo revient prendre ses droits sur la lane. Et les Gambits toujours en contrôle de la game, toujours ces 3K gold d'avance. Mais premier tour de la partie qui tombe en faveur des Samsung Ozone pour l'instant. Peut-être un espoir de renouveau. Qui sait? Bah ouais, hein, les deux équipes peuvent faire quelque chose. Bah de toute façon, les Samsung Ozone ont vraiment un gros late.
une grosse team en général. Les Gambits ne sont pas en reste également. Ça va être très intéressant. Quel va être le dénouement de cette game? Alors Dandy qui arrive, justement, le Dandy de l'équipe Samsung Ozone pour Gang Genja. Oh, il n'y a pas de contrôle chez Gambit. Est-ce que Genja va être bien inspiré, va mettre un coup de moko? Il est en train de le check, justement. Il prend le pool au niveau de ce buisson. Il se doute de quelque chose. De nouveau des piles dans mon micro. Et vous pouvez m'entendre à nouveau gazouiller. C'est le mot approprié. Genja et Dandy qui perd énormément de temps. Mais Genja va bien finir par avancer. Ou alors s'il arrive à scouter au bon moment, ce sera très dur pour Dandy mentalement qui aura perdu énormément de temps. Damon qui pourrait décider de venir faire un petit coucou. En plus, Damon qui arrive. Oh là là, là, Dandy, quelle perte de temps. C'est dur. C'est dur là pour le coup. L'arrivée de Diamond, est-ce qu'il va tenter quelque chose? Il reste. Oh, oh. Il est vu, il est complètement sur une ward en plus. Qui a mal été pinké. Loin de se douter de ce qui les attend et ils décident de ne pas rester Dandy. Mais il y a l'arrivée de Looper, pardon. Alors ça c'est intéressant. Dandy également qui est là. Ils sont à 4. Je pense qu'ils quand même ils s'attendent pas les Gambits à ce qu'il y ait Looper dans le coin. C'est assez étonnant comme move et il n'y a pas d'ulti du côté de Darien. Ça pourrait être assez surprenant là pour les Gambits. On a le décal d'Alexis là pour le coup. On a Alexis qui est vraiment pas loin. Ce serait très dangereux de prendre une fight ici. Et Damon qui va venir faire un peu de poke sur Dandy. On a la vision sur le bleu, donc ils vont aller contester ce bleu. En plus, il faut les embêter, c'est Samsung Galaxy, parce que derrière, il y a les Gambits qui sont en train de speed push avec Shen. Et early cap solaire justement sur Darien, qui n'est pas parti sur un visage spirituel en premier, mais qui fait le bon vieux Shen des familles cap solaire. Et ma foi, il s'en tire très bien. Et il va prendre la première tour pour sa team, donc. Et vous avez vu la dépense un peu de gold au niveau des Pinkois chez les Gambits. Hein. Chez les Gambits, on essaie en permanence de counter le map control des Samsung Galaxy Ozone. Aucune pause n'est prise à ce niveau-là et Darien vient mettre la pression à Looper. Allez, on est ramené sous la tour, on revient en arrière du côté de Darien. Bon, les deux champions ne peuvent pas se tuer, hein, mais voilà, Darien est très tanky maintenant. Il a l'arme du speed push de son côté avec sa cape solaire en plus. Donc aucun souci, les Gambits 4K gold devant maintenant. Ils étaient à 3K il y a peu, donc ils sont mis bien avec cette tournoi. Et on attend la suite des opérations notamment. Que vont faire les Samsung Galaxy Ozone? Les Gambits vont-ils continuer sur ce rythme-là? Ils sont quand même très performants depuis le début. Ouais, ouais, non, mais ça, ils nous ont déjà gratifié d'une excellente game. Et là, ils sont très solides. Hein. Alors, les Samsung Galaxy n'ont pas l'air d'être au top de leur forme, mais il faut voir qu'avant, ils viennent de défoncer les Vulcoon, qui pourtant s'étaient bien battus. Donc vraiment, les Gambits en bonne forme, en espérant que ça dure, hein, si on peut avoir un représentant européen, parce que pour l'instant, c'est pas non plus la joie dans les chaumières des autres Européens. Alors, il y a 1-1 pour les Mondogs. Non, il y a 0-2. Il y a 1-1 pour Fnatic, par contre. Et il y a 0-2 pour les Gaming Gear. Ouais. Donc, si on peut avoir des petits Gambits à 2-0, je me plaindrai pas. C'est sûr que ce serait sympa. Puis ça imposerait le style un peu, c'est-à-dire des Européens qui battent des Coréens. Voilà, c'est petit symbole quand même. Après, Samsung Galaxy Ozone, ils sont bien moins forts actuellement que South Korea Telecom T1. Mais Voidal le route, attention, le crescendo au corps à corps. Genja qui tente d'intervenir, on a un TP de la part de Shen. Est-ce que ça va suffire pour toi? Voidal est vivant, Im qui dive vraiment deep là, Darien qui deal des dégâts, la barrière. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver? Darien ira jusqu'au bout. Il avait gardé son taunt pour ce moment-là, il l'avait gardé. Du coup, très bonne opération des Gambits. Genja la chasse, on met des bons dégâts. Deux kills contre un pris par les Gambits, l'intervention, tentative d'intervention, juste un simulacre d'intervention de la part de Dandy qui ne passera pas. Passage gardé, chasse gardée par Alexis et les Gambits donc qui s'imposent dans cette escarmouche. C'est bien joué. 45 secondes maintenant avant le prochain Drake. Et est-ce que les Gambits vont pouvoir snowball là-dessus de nouveau? Là pour le coup, s'ils arrivent à prendre le Drake avec cette tour en plus, ça va sentir très très bon pour les Russes. Ça sent très très bon. Ouais, et là il faut juste faire le bac à temps. On récupère encore et toujours le map control, encore des pings, toujours plus de pings. On veut laisser une pleine latitude. Alexis qui va le tenter ou pas? Attention, les bons dégâts posés par Dandy, oui. Alors ça c'est un Ryze qui engage la fight avec Cage. Hein. C'est un Ryze à qui tu ne peux pas sans pitié échapper et il lâche tout son DPS. Il perd un cooldown de court-circuit. Oh, Darien se fait stun qui décide de flash out.
force Théo Flash là. Ah mais juste avant le Drake, c'est pas bon, ça fait deux personnes qui se font choper juste avant le Drake. Et en plus ils sont en train de recall sur une ward. Ouais, donc ils savent complètement. Les Samsung Galaxy Ozone, ça permet à Looper d'arriver et d'apporter du gros soutien. Bon là à mon avis, les Gambit devraient juste lâcher l'affaire, tenter de farm, de mettre la pression sur les lanes à côté de ça. Mais ce Drake il est perdu. Ils n'ont pas l'air de cet avis, hein, les Gambit. Ils n'ont pas l'air du tout de cet avis. Ils vont venir peut-être essayer de défendre. Oh, ça touche Diamond Prox. Attention, Diamond dans la tournante. Diamond qui s'est chopé par Dade. Dade qui s'expose énormément, qui est forcé de flash out. Il s'est vraiment commis pour tenter de tuer Diamond Prox. Et un peu trop d'ailleurs. Il y en a rien qui est revenu, qui a bientôt l'ulti en plus. Et ça va disengage. Et ce Drake va peut-être leur coûter une tour. Ouais, pour le coup, les Gambit ont bien réagi. Darien en position peut-être pour cash Dandy. Dandy bon disengage. Et les Gambit qui sont groupés là, comme un seul homme, qui vont peut-être prendre cette deuxième tour au mid. Grosse phase de jeu de la part de nos représentants européens. C'est pris ou pas? Oh, c'est pris. Le joli grave sur Alexis qui est un peu dans la mêlée. Alexis qui est en opposition. Oh, ce crescendo de la part de Voidle pour Tempo. Attention, Ryze rentre dans la mêlée. Regardez également Im qui semble un peu free DPS. Diamond. Il reste les deux. Up carry, Diamond qui essaie de temporiser, Diamond qui va tomber, Diamond qui tombe. Et là, ils peuvent pas défendre contre Vayne et contre Ryze, mais bon, c'est du 3 pour 1. Ils ont réussi à se mettre dans des conditions idéales, hein, les deux carries Samsung Galaxy. Mais voilà, à côté de ça, les Gambit s'imposent quand même largement dans la fight, hein, puisqu'ils ont réussi à prendre le deuxième tour. Oui, ils ont réussi à la prendre. Non. Ils l'ont prise. C'est bien ça. Ils l'ont prise, non, et en plus de ça, ils ont pris 3 kills. Donc quand même, très grosse opération pour les Gambit. Un petit 7 kills d'écart, 23 minutes. Et là, ça commence à être imposant. Ils sont en train de dire aux Coréens, en train de leur montrer que, bah voilà, il n'y a pas que eux. Ouais, mais on a vraiment l'impression que les Samsung, c'est pas leur game. Bah, les Gambit sont un cran au-dessus, je pense, hein, en termes d'agressivité. Ils ont très bien joué. Le fait qu'ils aient une Evelyn, ils s'en sont hyper bien sortis. La duo lane Gambit a fonctionné à merveille. Darien très solide. Très très solide, comme toujours récemment, j'ai envie de dire. Depuis les playoffs européennes, il est assez énorme. Et les Samsung Galaxy Ozone qui ont décidé de lui laisser sur son chaîne d'open. Hein, donc c'était un choix délibéré. Et là, pour le coup, les Gambit, ils ont également une carte endgame qui est loin d'être dégueulasse à jouer. Donc, honnêtement, ils sont dans d'excellentes dispositions pour déposer les Samsung Ozone dans cette game. Mais voilà, Looper n'entend peut-être pas de cette oreille. Lui, il farme pas trop mal. Moi, il n'est pas parti sur une lame de la DS, à noter. Non. Il a dû se dire qu'ils avaient besoin absolument de tanking rapidement parce que ça tapait quand même super fort en face. Et donc, peut-être un visage spirituel ou alors... Ou alors, très bonne question, ce ou alors, avec ce rubis de vie qui me perturbe, qui te perturbe toi également, je le sens. Ou alors. Et gros groupe mid là de la part des Samsung Ozone. Mais bon, il n'y a pas grand chose à prendre parce que du côté des Gambit, on est également bien groupé. Et Imp qui farm, hein, qui farm tranquillement là. Attention quand même à ne pas laisser Imp trop dans sa zone de confort. Genja reste devant au niveau du farm. Il maintient le rythme. C'est un excellent farmer, Genja. Il est connu pour ça. Puis sa team le met dans des dispositions hyper favorables. Voilà, c'est bien, c'est parti. C'est qu'ils se mettent tous en de très bonnes dispositions les uns les autres. Et du coup, ils sont en train de rouler sur les Coréens. On a récupéré encore une fois le map control. Où est l'oracle? Il n'y a pas d'oracle. Ils y vont à coup de pink, mais pas à coup d'oracle. C'est Darien qui porte l'oracle. Et pour le coup, il est tanky. Donc... voilà, aucun souci pour lui. Il va pouvoir aller faire échec des buissons. Ce sera moins dangereux que c'est Voidle avec sa Sona. Et là, les Coréens qui sont obligés de check à l'étendard de Jarvan, c'est que c'est pas très bon comme situation, non. Mata qui revient en catastrophe, là, avec des wards et avec un élixir de l'oracle. Ils peuvent trapper les gros bits et ils profitent de leur Evelyn. Peut-être pour essayer de choper quelqu'un qui oserait tenter la défense. Et finalement, ils se montrent, les Gambit, ils vont arrêter de faire ce fake trapnashor. Et attention là, le face-to-face qui s'annonce, Darien qui a son ulti, tente Alexis, c'est Mata qui est la cible. Alexis, on a Shen qui arrive très très loin de la mêlée. Darien, on attend un gros tonne. Oh là là, ce crescendo était pas mauvais, et Dandy a pris de lourds dégâts. Et regardez Genja, comment il peut free DPS. Il se fout, il utilise sa barrière, Darien, et ça suffira pas à doubler pour Genja. Le Ryze est toujours vivant, Darien la cage. Ça va peut-être être un ace, le taunt qui passe.
Et il va essayer de sniper Genja. Oh là là, triple de part de Genja. Ace en faveur des Russes de Gambit Gaming. Quel fight, quel fight. Et les Samsung Galaxy Ozone n'ont rien pu faire. Est-ce que Imp, est-ce que c'était bien sage de faire des roulades comme ça dans la mêlée? Bon, non. Les Gambit, ils se sont dit d'un char. Il a fait mal, hein. Il a fait mal, Imp. Il a fait très mal, mais voilà, du coup, il s'est retrouvé très exposé, hein. Très, très, très exposé. Quel fight. Et surtout, Genja, il a free DPS. Alors, on retrouve un peu la scène. Gros Dulci Zaira et gros Crescendo également. Regardez, Im qui va sniper derrière. Ah, il est en plein milieu. Ah, il prend cher quand même. Il prend très, très cher. Il manque pas grand-chose de survivre, hein. Et Genja, regardez comment il kite la courte range de Ryze, hein, qui joue des tours forcément. Darien très tanky qui a le cooldown de son ton. Et Dadé qui jump au corps à corps, qui flash in en se disant que peut-être il y a quelque chose à prendre. Et en fait, non, il n'arrive pas à prendre le kill. La barrière de Genja le sauve. C'était hyper tendu. Alexis, l'agressivité sur Mata. Il arrive à prendre le kill, il se remet, il se repositionne de façon safe. Attention, derrière. Im qui donne la chasse, on a un flash out d'Alexis, il a voulu prendre aucun risque. Et les Russes qui continuent de s'imposer. Ils vont pouvoir défendre peut-être cette tour. On a, regarde, Darien qui sort le côté, qui attend pour flanquer, mais il a été vu, il a été ping. Darien, peut-être qu'il va aller juste puis de push au top. Non, il a décidé de faire le tour à la bien. Il y a toujours l'oracle pour son équipe. Toujours, c'est la tour de contrôle, Darien, honnêtement. Les Gambit peuvent vraiment se reposer sur un solo laner là qui est hyper. C'est comme disait Alexis, c'était un peu pendant les playoffs. Darien, c'était un peu la muraille impassable des Gambit Gaming. Que ce soit avec son Renekton, avec son Shen, il était tout simplement imprenable. Ils sont tous en forme, hein. 5-1 sur Genja, 7-1 sur... C'était sur le beffroi. Ah, le fameux flancage avec Daemon sur le côté. Ou le flanking. Ou le flanking. Parlons-en. Le bon flanking. Ou flanking. Je sais pas. Flancage, c'est français, anglais ou flanking. Anglais ou français, voilà. C'est allez. Shakespeare ou Molière. Ouais, on va rester sur du Shakespeare. C'est Agui ou... Ou Coco Vin. Flanking. Ouais, moi je prends Coco Vin. Tu prends flancage. Ouais, pour le coup, bah entre Agui et Coco Vin, tu vois, le problème c'est que mon cœur balance énormément du côté de la Coco Vin. Du Coco Vin. Bon, la panse de brebis. Bon, pourquoi pas, hein. J'aime goûter. Ah, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, j'avoue, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le Nashor qui est fait là. Looper qui tente vainement de push, mais je crois qu'ils n'en ont absolument plus rien à battre de cette tour. Là, ils vont venir faire leur back et venir essayer de porter les stockades finales. Et surtout que Darien est hyper tanky, donc maintenant, c'est. Dans ce genre de conditions, en général, il n'hésite jamais à aller dive les adversaires. Donc pour les Samsung Ozone, ça s'annonce compliqué. Puis Alexis, toujours des gros plays avec Sari, toujours des engages. Et à chaque fois, il va sniper Mata. Et le pauvre, hein, il peut jamais aller poser de ward. Il est forcé de prendre des risques de s'exposer. Et parce que les Gambit ont un gros map contrôle, ils imposent leur rythme dans cette game. Et derrière, c'est Alexis qui punit ses positionnements. Et le problème, c'est que les Samsung Galaxy Ozone, ils peuvent pas faire grand-chose contre ça. Non, bah ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à farm, ils sont en train de se disputer les creeps dans leur jungle. Donc non, c'est vraiment pas terrible. Regarde, on voit la différence entre les deux junglers. Bon, après c'est Diamonds, on a l'habitude, mais quand même, une bonne cinquantaine de creeps. Bah mais clairement, c'est un habitué des scores monstrueux de farm dans la jungle. Un peu comme Meteos chez les Cloud9, hein, c'est deux joueurs dans la jungle qui ont l'habitude d'avoir un farm colossal. Ouais. Ils sont très caractéristiques de ce style, hein. Evoidel là, qui revient au niveau du Drake, oh là là, avec l'oracle. Et on continue de déward, on continue de garder le map contrôle. Toujours, toujours. Voilà, le push à la bot lane, il y a des choses à prendre. On a bien fait progresser, on a Shen, de toute façon, qui peut venir grâce à son ulti. Il achète quoi, Shen? Il finit sa Warmog. Voilà, ouais, Darien style. Oh. Beaucoup de PV. Il faut juste plus de push au top, il y a une grosse vague qui va push. Beaucoup de points de vie. Alors, comment les Samsung Galaxy Ozone vont-ils pouvoir défendre face à des Gambit qui ont autant d'avance, 10K gold à 30 minutes de jeu. C'est énorme. Et les Gambit semblent vraiment savoir quoi faire, Noah. Ils semblent sereins, honnêtement. Voilà, Darien envoyé au speed push maintenant. C'est une menace, Darien. Il a énormément de points de vie. Il fait mal. Je pense qu'il va faire une trinité dans pas longtemps. Ils vont pas tarder en gage. Regarde, il passe par derrière. Diamond, il passe par derrière. Il y a Darien qui arrive. On sent que c'est imminent. En plus, il y a la vision grâce au bon poc de Genja. Non, tout simplement, il décale les Samsung Galaxy Ozone qui doivent être hyper surpris là. Qui sont en train de perdre complètement leur tour.
Oh là là, l'inhibiteur qui est exposé au mid, Darien qui est là. Les Samsung Galaxy Ozone sont pris de vitesse. Ils pourraient décider d'y aller, les Très Gambit. Ingénieux, les Gambit. Ils sont tellement devant, ils sont tellement devant à 31 minutes de jeu. C'est le bon moment pour appuyer ce push. Voilà, regarde, on a Alexis qui a été vu, qui a été ping de l'autre côté de la barrière, qui attend pour s'élancer. Et finalement, on va prendre la tour. On les fait tourner en rond, les pauvres Ozone. Les Samsung Ozone là, qui ont du mal à répliquer. Hein. Voilà, les Gambit sont une classe au-dessus, honnêtement. Je les voyais pas dominer ce match face au Samsung Ozone comme ça. Ça ne suffira pas, le kill qui est pris. Et en plus, on a l'arrivée de Darien avec son chien. Attention, c'est peut-être la dernière fight de la game. Him qui rentre dans la mêlée, Him qui s'expose, Him qui tombe. Darien qui prend le kill. Et regardez, Genja qui flash in. Les lourds dégâts infligés par la team Gambit Gaming Mafa. Enfin, Mata, pardon, qui va peut-être tomber. Oh, le route sous la tour. C'est beau. Genja ne prendra pas le kill, mais voilà, les Gambit Gaming en total contrôle la partie. Ils veulent finir là-dessus, les Gambit, ils ont la vague de creep qui arrive, ils ont du DPS de toute façon, grosse touche. Très solide les Gambit Gaming. Bon voilà, on a la team en forme du côté de l'Europe, elle est là. Les Gambit s'affichent clairement comme de véritables clients. Ce sont des clients pour l'instant très solides, des pics qui peuvent, à la fois dans leur style de jeu et à la fois ils peuvent surprendre avec du COG, la Evelyn de Diamond qui fait toujours autant le taf et qui s'annonce peut-être comme un must ban dans le futur face aux Gambit. Oh d'accord, oh il serre pas la main, oh là là, il y a le maintenant. Ah, il serre pas la main. Ah ouais. Ah si, finalement. Ah, si. Ouais, il a réussi là. Un peu déboussolé. Un peu déboussolé les Coréens. Ouais, ils sont en train de réfléchir. Un peu déboussolé les Coréens là-dessus, ils ont pris très très cher. Vous avez pensé quoi de la game, messieurs? Ça s'étire, là. Non, franchement, impressionnant. Ils ont vraiment lâché. Enfin, ça fait vraiment plaisir de les voir à ce moment-là. Gambit back. Ouais, carrément. Joti? Moi, j'ai perdu, moi. T'as perdu quoi? On a perdu pendant toute la game. Ah, t'as pas vu la game, d'accord. Et ouais. Toi, Mixa, est-ce que tu l'as regardé? Ouais, j'ai regardé. Ouais, c'était. Je m'attendais pas à les voir stomp des Coréens comme ça. Mais je pense que Ozone ne sont pas à leur niveau, enfin, pas forcément... Ah, c'est sûr, c'est pas les Ozone qui ont gagné le Spring, l'Ogen Spring. Voilà. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est la dernière game de la journée. Aujourd'hui à 4h du matin, donc on va reprendre. Ouais, donc dans la nuit, donc à 4h du mat, j'ai aucune idée de combien vous serez pour vous ça. Est-ce que tu as le programme, Cardel, d'ailleurs? Ça du jour 2, on voit un peu 5 matchs pour cette première journée de War Finals. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur Gaming. Voilà, jusqu'au bout de la nuit, fidèle au poste. We'll be right back. Dans 3 minutes, ouais, non. Non. Nous avons avancé tous les matchs de la journée. On a décidé de faire les deux poules. En même temps, on va finir, on refait 10 matchs. Oh, on refait le match, alors vas-y. Bad. Est-ce que tu peux mettre à l'écran le programme même? Yes. Histoire que tout le monde ait bien en visu ce qui va se passer demain, donc. Donc lundi, Lemon Dogs Gaming Gear. Ah bah Joti, j'espère que tu es là. Yeah. OMG SKT T1 de nouveau. Vulcoon Bargain contre Fnatic, ok. Mais attends, il y a plus de matchs que prévu. C'est pas ce qu'on est en train de faire là, c'est pas ce qu'on vient de commenter. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est le match d'aujourd'hui, Cardel. C'est Mayday 2, je me disais bien aussi. Day 2. Voilà, merci. Alors, Mineski contre Samsung Ozone. On va avoir besoin de Leandra. Ouais, pour le coup, Gambit contre Vulcoon. Est-ce que les Gambit vont pouvoir résister? Enfin, est-ce que les Vulcoon vont pouvoir résister? Ah, les Fnatic. Ils ont une grosse journée, les Fnatic, demain. Complètement. Ouah, ils se prennent Gambit, ils se prennent Ozone. Bouh. Et Gambit Fnatic, ouais. Gambit Fnatic, ouais, on va avoir vraiment besoin de notre Mineski demain, expert, puisqu'on a deux games avec Mineski. Complètement, là, pour le coup, je sais pas comment on va faire si Leandra n'est pas là. Hein. Ah, va falloir que j'ai tout le fan club de Mineski avec moi aussi. Hein. Bah, j'espère bien. Ça va être dur, là.
Je me dis, on est tellement paumé. Non, là je suis bien. Je me dis, il a développé une technique pour dormir, t'en as pas trop qui suivait le match, ouais. Comme ça. Ouais, j'avoue, j'ai un peu du mal sur le dernier. Non, mais attends, ça fait quoi? Ça fait 13 heures qu'on est là? C'est dur quoi. 13 heures, ouais. Ah, c'est un peu là, dur quoi. On va bientôt arriver pour bosser. On va les croiser dans le couloir. Oh non, j'ai pas la force, non. Oh non, on a plus la force. Vous pouvez aller consulter, on vous rappelle, hein, sur le site, donc toutes les statistiques. Il y a un bon outil de stats, donc n'hésitez pas. Vous êtes plus de 50 000 à le visiter déjà. Donc, si vous kiffez les chiffres et les lettres, peut-être, je sais pas, eh bien, vous pouvez aller sur le site au gaming, donc l'onglet build, et aller mater un peu ce petit logiciel qui est bien sympa. Nous, on va vous laisser. On se retrouve. On se retrouve. 6 000. 6 000, mais vous êtes des grands malades. On se retrouve donc cette nuit. Faire un résumé sur les deux groupes, non. Oh, bon, ok, vas-y, Léandra, qui colle. Donc, Mineski. Surprise de demain, enfin, surprise de 4 h du matin, moi je vous préviens, ils seront là. Ils ont raté leur match. Non, mais sur le groupe A, franchement, les Chinois ont été. Ont vraiment été là. Énorme. Je pense que là pour le coup, c'est eux qui vont sûrement sortir du groupe. Après, honnêtement, je pense que Mad Dogs a ses chances. Devant SKT T1. Ah, je pense qu'ils vont. Devant SKT T1. Ça va être chaud, mais ils peuvent le faire. Ouais, ça me paraît impossible. Ça me paraît dur. Mais bon, c'est ok. Possible. En plus, c'est OMG qui a montré qu'ils étaient là, à mon avis, dans le groupe A. Ça va être OMG, SKT T1. On va voir. Hein. Dans le groupe 2, Gambit ont l'air chaud. Gambit ont l'air chaud derrière, je pense. Enfin, ça va être chaud. Derrière, ça va être chaud entre Ozone et Vulcoon, je pense. Ah, Fnatic, ils vont sortir les doigts d'où il faut et moi je pense qu'ils vont revenir. Et du coup, on va vous abandonner. Lâchement. Tant pis, j'ai cru dur. Il est trop dur celui-là. C'est dommage. On dirait que t'es bête. J'ai cru dur. C'est franchement dommage, je connais pas le bruit de ton ronflement quand t'as chassé les Fnatic de la base des Mineski. Deux fois les Fnatic attaquent les Mineski, au moment où tu commences à ronfler, les Fnatic back. Incroyable. Genre chip sa contre-offensive. Bon bah voilà, j'ai cru dur en vous. Et on va vous dire à ce soir, 4h du matin. 4h du matin, donc cette nuit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous déchirez. Merci aux invités qui étaient là. Carrément. Merci aux invités. Standing Ovation. Vous avez été solides, les mecs. Il fallait tenir jusque-là. Honnêtement, pas facile. On vous dit bonne journée ou bonne nuit. C'est selon, on ne sait pas. Pour nous, ça va être bonne nuit. Ça va être bonne nuit, oui. Ça va être bien. On va bien dormir. Voilà, on se dit à cette nuit. 4h du mat pour les plus oufs. Et bonne journée. À plus.